Bien bonjour de bon matin, c'est Kevoslam 3.0 pour un tout nouveau blog All for Geek à S2. Comme j'y vais le samedi et le dimanche, je vais aller filmer tout ça en 2 jours. Et je le posterai peut-être lundi, qui arrivera peut-être mardi à je ne sais combien d'heures du matin. Je vous dis top générique, à tout de suite pour les images de là-bas. Je me trouve actuellement à Esneux, comme vous pouvez remarquer, on est plein de monde à attendre. Regardez, tout le monde est à la file indienne. Allez, à tantôt l'intérieur. Voilà, on entre directement. Attention, c'est parti. This is like the west. The big pool. Wow. Toutes les figurines Naruto. Wow. Les figurines prennent des photos plus cool. Ça, j'en ai peut-être chez moi. Dans les vieux, ouais, dans les difficiles à trouver. Là. Ouais. J'ai le médecin, j'ai. Je me trouve actuellement sur le stand de Eric Legrand, Céline et Brigitte Lecordier qui sont là-bas. Ah, ils ont été malades, ils sont venus tous les trois. Je vais faire une dédicace chez eux avant de faire chez Adeline Chetay. Allez, à tout de suite. Je suis sur le stand d'Adeline Chetay. Allez, à tout de suite. Voilà, je vais revenir demain. Allez, à demain pour la journée de demain, de dimanche. Me voici de retour à Esneux. Comme on est dimanche aujourd'hui, je vais y aller. A tout de suite à l'intérieur. Des dédicaces, comme ça je vais me balader un petit peu. Je fais une dédicace par exemple à Samuel et Lohan, des amis de ma soeur qui regardent aussi mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, grande dédicace à vous deux, mes amis. Voici le grand vendeur de Up Game. Comment ça va? Très bien, très bien. Notre projet avance très bien. Donc, alors, tout simplement, comme on dit à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook et à nous participer, à liker, à partager notre page et alors à nous aider à réaliser notre rêve. Nous sommes normalement ouverts début d'année 2019. On compte sur vous, sur votre soutien et on vous remercie déjà pour tout ce que vous faites pour nous. Okay. À très bientôt. Ok, merci. Où est Charlie en t-shirt? Oh, Stranger Rick. Et là, Krusty Krab. C'est du classique, n'est-ce pas? Et nous voici à la maison, vu qu'on est lundi. J'ai travaillé, vu que je ne suis pas resté longtemps à la convention.
Je vais vous montrer mes trouvailles de samedi et dimanche. Et tout d'abord, je fais un petit coucou à Adeline pour m'avoir dédicacé ma figurine pop de May. Voilà. Ensuite, je remercie par exemple Brigitte Le Corbier. Petite dédicace à tout le monde, ceux qui aiment bien Dragon Ball, comme Robert Drive, Samuel et Loan, et même Redfire, pour moi, avec Brigitte Le Cordier, voilà. Je reverrai Adeline pour faire dédicacer Rosita, que j'ai trouvé samedi. Il y avait aussi Negan, en version exclusive, voilà. Ensuite, nous avons, par exemple, une figurine pop de métal du soldat. Ensuite, nous avons une figurine pop de Disney, voilà, qu'on voit ici. Et maintenant, passons aux trouvailles de dimanche. J'ai par exemple pris ce magazine. Je l'ai fait dédicacer. Attendez que je vous le montre. Le voilà. Par Tsuki-chan, elle est là, sa signature derrière le sac. Voilà. Et je vous dis pas les prix surtout. Il y a tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà. J'ai fait dédicacer avec Céline, Brigitte Le Cordier, et à côté Adeline. Et après les youtubeurs Stefano Magic Nup et Judy Dreams. Comme ça, je mettrai leur lien de leur chaîne respective. Ensuite, comme trouvaille, j'ai trouvé des jeux Master System. Comme celui-là, Psychic World, Astérix, The Lucky Dime Checker Donald, Sega Time Soldier, et sur Mega Drive, The Terminator pour ma poussette Mega Drive. Ensuite, encore avec Brigitte Le Cordier, Gotenks, dédicacé encore avec Brigitte Le Cordier. Voilà. Ensuite, nous avons un t-shirt de chez Wistiti. Attendez que je vous le montre. L'autre, ça sera à la fin. Voilà, chez Wistiti. Et maintenant, on va vous montrer mes dernières trouvailles, ce que vous avez peut-être vu. Quelques secondes dans le sac blanc. Un jeu pour ma poussette Wii, Warrior Land The Shake Dimension. Voilà. Je me suis même trouvé une Nintendo GameCube en loose. Petit coucou à mes amis de la Pixel Day, ceux qui m'ont vendu la GameCube. Je ferai un test pour voir si elle marche. Et je me suis même pris un jeu GameCube, Extreme Skate Adventure de Disney. Voilà. Il y a tous les câbles, mais il manque, par exemple, le bout de Péritel. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez plus de vidéos de mes trouvailles ou de quelque chose comme ça. Voilà. À la semaine prochaine jusqu'à Back to Retro, à Arlon. Bye bye!